Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Mike Elliott a quitté Mercedes. Ça a été annoncé hier soir. On en a parlé sur TBF1 Mercedes News. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas fait. Donc, où est-ce qu'il irait? Bah, va chez Red Bull, tiens. Va pourrir à la future Red Bull RB20 ou RB21, du coup. Vu qu'il va pas bosser sur la RB20 s'il va là-bas. C'est logique. Mais, ouais, vas-y. On vous l'envoie, Red Bull. Vous êtes d'accord ou pas? Les fans de Red Bull, vous êtes OK? Bah, oui, ils sont OK. Il est très compétent, Mike. Surtout pour ce qu'il a fait en 2022-2023. L'un des constructeurs où Elliott pourrait travailler, ce serait Ferrari. Depuis le départ de l'ancien patron de l'équipe, Mattia Binotto, Ferrari s'est retrouvé sans directeur technique pendant un certain temps. En ce qui concerne Ferrari, le châssis est signalé à Enrico Cardile. Cet Italien a été étiqueté directeur technique par Vasseur, mais il ne semble pas illogique que Scuderia soit à la recherche d'un vrai directeur technique. Wolff cherchait depuis longtemps un nouveau directeur technique pour Williams, où il a endossé le rôle de patron d'équipe. Récemment, Pat Fry a été nommé directeur technique, mais il n'est pas exclu que l'équipe de Bazza Grove cherche également quelqu'un pour le rôle de directeur technique. Alpine a nommé Matt Harman à ce poste-là, mais il est toujours à la recherche d'un directeur sportif pour remplacer Perman. Si Andretti entre dans la catégorie du sport auto, les Américains auront également besoin d'un directeur technique. C'est peut-être une option qui s'offre à Elliott. L'entrée d'Andretti en Formule 1 n'est pas du tout certaine, mais les premières démarches en vue d'une licence ont été entreprises par le constructeur. Ouais, c'est pas dit hein, qu'ils arrivent en F1 quand même. Hein, c'est pas dit du tout. Bon, bah, où est-ce qu'il va rebondir, Mike Elliott? Mystère. Vous le voyez où, vous? Ou alors il va peut-être quitter la Formule 1 directement. On le reverra pas. Je vous laisse commenter.